voyez, on a été aussi disciplinés que vous pour s'installer. Hein. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, ou plutôt peut-être mesdames, il y a une personne qui a perdu un bracelet de poignet. Alors, je pense que c'est de poignet, hein. Je ne sais pas, peut-être cheville aussi, j'en sais rien. Le bracelet a une couleur dorée et il y a un prénom écrit dessus, un prénom de 5 lettres, qui se termine par A. Voilà. Donc, regardez vos poignets ou vos chevilles, éventuellement. L'histoire ne dit pas si le bracelet est électronique ou pas. Hein. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a un maillon qui est cassé. Donc c'est pour ça que... Je vous fais voir l'objet du délit. Alors, c'est pas une personne qui fait du 15 de ton poignet. Hein. Vous l'avez remarqué. J'aurais presque dit que ça appartiendrait à un enfant. Mais comme j'en vois pas beaucoup aujourd'hui... Bon, je vous donne le prénom. Le prénom, il est écrit sur le bracelet, si je lis bien, Clara. Si ça vous dit quelque chose. Il est possible que ce soit un bracelet qui a été perdu là, lors d'une précédente manifestation. Bon, tout le monde est là? Merci. Donc, on va continuer alors. Allez, on va repartir pour la deuxième partie. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez pu vous hydrater et vous restaurer. Maintenant, nous passons directement à la deuxième partie. Donc, une chanson d'Alain Morisot, qui est un pianiste suisse, producteur d'émissions de télévision. En 71, il compose, produit et enregistre son premier album. Au Casino Théâtre de Genève, en 71, il accompagne Fernand Reynaud au piano. Et il crée ensuite, en 77, pour participer au concours de l'Eurovision de la chanson, le groupe Sweet People. Cet orchestre existe toujours et Alain Morisot participera 11 fois au concours de l'Eurovision comme compositeur. Prends le temps, Alain Morisot. Je vais juste faire une petite précision sur cette chanson. Cette chanson s'intitule « Prends le temps ». La chanson a été écrite aussi sous forme de clin d'œil à un artiste français que vous connaissez bien, qui s'appelle Michel Fugain, qui, lui, a écrit dans les années 60 « Je n'aurai pas le temps ». Cette chanson a été destinée au départ donc à Michel Sardou, qui était son ami. Et Michel Sardou l'a élégamment, j'allais dire, refusé en disant que la chanson n'était pas de son répertoire. Et pourtant, la chanson a fait son chemin avec Michel Fugain, donc je n'aurai pas le temps. Et Alain Morisot, qui était fan de l'œuvre de Michel Fugain, a fait cette chanson en forme de clin d'œil, et vous avez remarqué que l'introduction musicale est sensiblement la même. Prends le temps.